Choix. Choix. 98 Choix. Radio X. I'm ready. Wallet. En direct. Radio X. Je sais pas pourquoi j'ai comme l'impression, ça sent comme le fromage, la sauce, les frites, je sais pas pourquoi. Hein? Arrête de m'écœurer de même, toi. J'ai faim. Je sais pas pourquoi. Non, c'est... Parce que c'est la journée mondiale de la poutine, mon cher. Oui. Je peux dire une chose, mon livre est rempli de propositions de poutine, ben là, de casse-croûte à visiter. Ben plein. On doit avoir au moins le différent, là. Mm-hmm. Plus de 125 noms d'endroits pour aller manger des poutines. Absolument. Parce que c'est sûr que ça se répète beaucoup, là. Mais alors voilà. Hein? Pas tant que ça, ça s'est pas répété tant que ça. Il y a beaucoup de variétés. Ouais, c'est ça, c'est quand même impressionnant. Oh, oui. Je sais pas si notre prochain invité aime la poutine. Moi, je parierais que oui. Jean-François Dumas d'Influence Communication, salut. Salut, vous autres. Comment ça va? En passant, là, la poutine, là. Oui. D'abord, oui, j'adore ça. Mais bon. On dit souvent, ouais, d'ailleurs, à Montréal, je suis probablement le fan numéro un de la poutine. Alors, je suis le grand maniaque de poutine. Mais juste pour que vous sachiez, c'est que. Oui. On est connu à travers le monde beaucoup en fonction de la poutine. Il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils disent que c'est cliché, ça représente mal la culture culinaire ouais. québécoise. C'est vrai, mais la poutine est pour nous ce qu'est la baguette et pour le français ou le sushi pour le japonais ou la guacamole pour le mexicain. Ça fait partie des clichés qui nous permettent de nous définir et de nous donner une identité culinaire à travers le monde en sachant que c'est pas rien que ça qu'on mange. On mange des meilleures affaires que ça. Ben oui. Et ça nous donne beaucoup, beaucoup de visibilité. Il y a toutes les semaines, il y a du monde qui parle du Québec à cause de la poutine ou grâce à la poutine. Et oui, et là, on a parlé tantôt avec celui qui a lancé la journée, puis c'est pas des farces, là, M. Beaudoin, la journée mondiale de la poutine. Puis là, il reçoit énormément de demandes parce qu'il y a comme un site Internet avec, en bon français, Jean-François, des spots à poutine. Et ouais. Là, les Français, de plus en plus, font de la poutine. Puis c'est comme je disais à M. Yves, je pense, Laurie, son oui. prénom. Oui, oh, monsieur, oui. c'est... Tu sais, Jean-François, en terminant sa poutine, il y en a beaucoup que le cœur leur lève à travers la planète qu'on leur parle de la poutine. Pourtant, c'est des frites, de la sauce puis du fromage en crotte. C'est pas si tant pire que ça comme mélange, là. À la base, non. là. Hey. Si tu vas dans bien des restaurants américains, il y a des affaires bien plus Ben, on se comprend. C'est ça. Oh, oui. On pourrait s'amuser ben, ouais. à sortir des menus pour on ferait le show. Jean-François Dumas, donc d'Influence Communication. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour la chronique de ce soir? On parle de quoi cet été, ma foi du bon Dieu? Ben, c'est ça. D'abord, commençons par définir un peu l'été, parce qu'habituellement, oui. l'été, c'est une saison spéciale dans l'actualité. Il y a moins de nouvelles à cause, parce que d'abord, les politiciens sont en vacances. On a même l'impression que les bandits sont en vacances. Il y a moins de tout. C'est vrai. Dans Nous, dans la radio, on dit souvent, c'est la période du slow news. Il non, faut oui. se trouver des sujets. Oui. Et c'est oui. pas pour rien qu'habituellement, il y a des nouvelles qui occupent beaucoup de place, qui normalement, on n'en parlerait pas autant. Alors, tu as tout à fait raison. On vit actuellement une baisse d'à peu près 40 % du volume normal de nouvelles comparativement en plein mois d'octobre ou mois de mars, la haute saison. C'est pas du tout pareil. Mmh. Et on a fait un petit palmarès entre le 1er juin et le 17 juillet, donc avant les succès de Hugo Hull dans les derniers jours. Mais globalement, l'été, ça a l'air de quoi? Et normalement, l'été, c'est aussi la saison des, comme tu l'as dit, la saison des bouche-trous en actualité. Ouais. On nous dit de faire attention aux moustiques. On nous dit de faire attention, de boire de l'eau. Là, on joue à la mer avec nous autres. Hein. Ouais. Et j'ai beaucoup de respect vers toutes les mères, mais on nous materne beaucoup dans l'actualité. Ouais. Et on a le même sapré reportage sur les camps nudistes au Québec. On fait juste changer les photos à chaque année, mais c'est le même article. Et on reconnaît les faux-founes, hein, c'est ça. Ginette! Hein? Là, on nous dit de prendre de la crème solaire, faire ouais. attention parce qu'il fait chaud. Mais cette année, j'ai l'impression, je me trompe peut-être parce que l'été n'est pas fini, mais il me semble qu'on en a un peu moins. Genre de reportage de Moumoune-là fatigant parce que on bouge des trous puis on essaie de nous materner. Il me semble qu'on en a un petit peu moins. Vous trouvez pas? Jean-François, il y en avait un aujourd'hui dans le Journal de Québec pour l'hydratation. OK. Écoute, okay. C'est de même à toutes les années. D'après moi, ils font du copier-coller. Ben oui, c'est ça. Et je me souviens, le fameux reportage à TVA quelques années sur la difficulté de faire de jouer le rôle d'une mascotte en pleine canicule. Ah ben oui. Je trouvais que c'était le bout du bout. Classique. J'avais retrouvé un reportage de CTV
Et ça, j'avais même mis sur notre page Facebook à nous autres dernièrement. Oui. C'est un reportage qui a été diffusé il y a à peu près 10 ans, mais ça représente tellement bien l'été en actualité. C'est un reportage de deux gars qui volaient des. Qui avaient vidé un camion de sacs de chips barbecue, c'était leur sorte préférée. Et la police avait retrouvé des traces des chips à terre et ils avaient trouvé le garage où tous les chips avaient été volés. Comme le petit poussin. Oui, c'est ça. Non, ça n'a pas de sens. Mais j'ai l'impression, et Jean-François, corrige-moi si je me trompe, cet été, il y a quand même des éléments principaux qui retiennent l'attention. Exemple, la guerre en Ukraine. Parce que je ne dois pas être le seul à suivre ça attentivement. Là, depuis un bout de temps, là, c'est sûr, c'est du côté européen, mais la vague de chaleur, comme on a rarement vu, les feux de forêt, l'inflation retient beaucoup l'attention, alors que dans les autres étés, ces gros sujets-là, là, ces 3-4 gros sujets-là, on n'avait pas ça, là. Tout à fait. Puis, et jusqu'à ce qu'on paie l'essence à un prix de fou comme maintenant, habituellement, l'été, comme par hasard pendant la semaine de la construction, c'est là que l'essence coûtait beaucoup plus cher. Ben oui. Et c'était pendant l'été, c'était un des sujets récurrents, le prix de l'essence. Mais comme on paie l'essence trop cher tout le temps actuellement, c'est pas nécessairement aussi fort cet été qu'on l'aurait normalement. Ça fait que ça, c'est une particularité. Alors, je vous ai préparé. Oui. C'est pas les thèmes. Un thème, c'est par exemple la guerre en Ukraine, c'est pas une nouvelle, c'est un paquet de nouvelles mises ensemble. Donc, c'est pas des thèmes, c'est des nouvelles prises individuellement. Les 5 nouvelles dont on a le plus parlé dans nos médias, on va commencer par 5. D'abord, la 5e, ça a été les célébrations de la fête nationale du Québec. Mm-hmm. Ensuite, la 4e, le prestigieux tournoi de tennis de Wimbledon qui débutait. Oui. Nouvelle de sport. La 3e, une autre nouvelle de sport, c'est le Grand Prix du Canada qui est au mois de juin. OK. La 2e nouvelle dont on a le plus parlé, c'est les réactions qui se poursuivaient à la décision de la Cour suprême concernant la restriction de l'accès à l'avortement aux États-Unis. Oui, ça, oui vraiment, c'est vrai. On n'en revient pas encore. Et la première, je vous rappelle qu'on est en plein été, là. Et ça, cette nouvelle-là est survenue entre le 4 et le 10 juillet. C'est le Canadien qui repêchait pour la première fois premier depuis 1980. Oui, c'est ça. Parce que ben le sport est fort, hein? Oui, d'abord, le sport est fort, mais le Canadien, c'est tout le temps, moi, je dis tout le temps, c'est le meilleur javelisant dans l'actualité, ça nettoie tout. Et quand le Canadien, il y a une grosse nouvelle, c'est sûr que ça tombe premier. Surtout avec la saison de misère, ça faisait du bien de voir un peu de positif, parce que là-dedans, tu pouvais constater qu'il y avait des partisans qui s'étaient payés des billets à des prix de fou, du 400-500 000 $ pour aller voir le premier choix de sélectionné au Centre Bell. Je parle ici de Juraj Slafkovský. Ben oui, puis je vais te dire un secret, c'est que depuis le début des années 2000, le Canadien de Montréal, en moyenne, dans toute l'année, occupe à peu près autour de 65 à 70 % des nouvelles du sport. Ça, c'est la moyenne année après année. Mm-hmm. L'année passée, le Canadien n'a occupé que 40 % du sport. Donc, il y avait un désintérêt depuis quelques années à l'égard du Canadien, parce que le Canadien commençait à être poche. Ça ressemblait à quoi au niveau de la finale de la Coupe Stanley, presque un an jour pour jour? Le Canadien n'a pas scoré si fort pendant la finale de la Coupe Stanley. D'abord, c'était arrêté. Et oui, on en a parlé beaucoup, mais pas tant que ça. Et on a parlé plus du Canadien quand ils ont arrêté de jouer pendant la pandémie que quand ils ont recommencé à jouer après. Incroyable. Ah, oui. Donc, il y avait un désintérêt. Et cependant, il faut comprendre que tout ça est lié un peu aussi à la COVID, parce que toutes nos certitudes dans l'actualité sont tombées à zéro pendant la COVID, parce que toutes nos habitudes ont changé tellement que jamais on aurait cru qu'on ne ferait plus de sport professionnel, jamais on aurait cru que la santé serait numéro un dans l'actualité, jamais on aurait cru qu'on aurait une épidémie, une pandémie comme ça. C'est impossible que ça survienne. Mais là, c'est arrivé. Donc, ça explique probablement en partie pourquoi on s'est désintéressé du Canadien qui, avec les années, a commencé à avoir une équipe bien ordinaire aussi. En plus. Mais pour vous donner une idée à quel point le sport est important cette année, c'est comme si on a tellement manqué l'année passée que cette année, on en fait mur à mur. Ouais. Dans le top 10, depuis, si on arrêtait l'année, mettons qu'on était le 31 décembre maintenant, là, puis Yahoo, bonne année, on prend un petit verre ensemble, si on dressait un palmarès des nouvelles les plus médiatisées depuis le 1er janvier, il y en aurait 4 sur 10 dans les 10 premières qui sont des nouvelles de sport. La 8e, c'est le Grand Prix du Canada. La 7e, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Beijing. Le Super Bowl est au 6e rang. Le Canadien qui parle premier au repêchage, ça, c'est la 2e nouvelle de l'année. Et la première, ce serait laquelle? Flower. Oui, Guy Lafleur qui meurt à l'âge de 60 ans. Qui est la nouvelle, qui va probablement, à mon avis, même jusqu'à la fin de l'année, qui va être la nouvelle. Oui. Ça a été un éclipse médiatique, là, parce que ça, c'était particulier, parce que vendredi de la semaine d'avant, c'était Mike Bossy, puis vendredi de la semaine suivante, c'était Guy Lafleur. Ben oui. Mm. Oh, oui. Puis
Et c'est ouais. depuis, de mémoire, en tout cas depuis que nous, on existe, là, ma compagnie, depuis le début des années 2000, c'est la nouvelle du Canadien ou la nouvelle de sport dont on a le plus parlé, la deuxième étant le décès de Jean Béliveau. Okay. C'est vous dire à quel point, quand on a un symbole qui disparaît, ça surpasse tout en termes de sport. Bien, surtout que Guy Lafleur, c'est Monsieur Respect, c'est Monsieur Gentillesse. Et on avait l'impression que tout le monde avait déjà été pris en photo avec Guy Lafleur au Québec. Tout le monde fou. Partageait des photos. C'est ce j'ai, beau j'avais là-dedans. Jamais oui. vu ça. Ah, oui. Puis ça ne s'en reverra jamais non plus. Là. Et ce que Guy Lafleur aussi, faisait, là? Je ne sais pas probablement que je suis un petit peu plus vieux que vous autres, là, mais moi, Guy Lafleur, ça me rappelle un peu l'époque de mon père et la génération de mon père qui était assez monosyllabique. Tu sais, les parents, les pères dans ce temps-là qui ne parlaient pas beaucoup. Ouais, ouais, ils ouais. faisaient des phrases d'à peu près une syllabe ou deux. Oui, c'est ça, ta gueule, c'est oui, non, ça se résumait à ça. Sauf quand le Canadien jouait, ouais. quand Guy Lafleur était bon. Guy, ah, mon oui. père se mettait à me parler, oh. se mettait à chaser, et là, je me sentais près de mon père. Et là, quand... Puis quand il gagnait la coupe, il giguait-tu en plus? Il se levait puis il giguait, non? Non, mais quand il était pas bon, mon père s'endormait devant la télé, ça fait que je veillais plus tard. C'était ça le truc. C'était ça le truc. Hey, mais ça devait être une méchante sensation aussi lorsqu'il est arrivé à Québec, quand il a signé son contrat avec les Nordiques. J'imagine la réaction des gens de Québec. Non, je me suis... Ben oui. En fait, ça allait être normal à Québec. Ouais. Là. On avait l'impression que... Enfin, on avait un petit vent de renouveau. Ouais. On savait que ça irait pas mieux, mais au moins, on a de quoi de le fun qui se passait à Québec parce que c'était une des pires saisons, je pense. On avait quoi, 31 points. Moi, c'est pas l'année, Jean-François, du rouleau de papier de toilette là, qu'on a vu partout là, sur YouTube. Il y a un match où je pense que c'est une décision controversée des arbitres. Les gens lançaient des rouleaux de papier de toilette. Bordel avait pogné. Il y a une année aussi, dans ces années-là, qu'il y a un spectateur qui s'était battu, je pense, avec Rob Ray des Sabres de Buffalo. Oui. Ah, il avait été au banc des joueurs, puis comment ça s'était... Écoute, c'était pas beau, là. le retour de Bergeron. Il était descendu sur la glace pour les séparer. Et c'était aussi la fameuse histoire « Le temps d'une dinde », je vous oui. La fameuse chanson. Donc, tout ça, c'était épouvantable. Et un des slogans des Nordiques à l'époque, c'était « Le meilleur est à venir », on l'obéirait. Mais il y avait raison dans ben la oui. forme « Le meilleur est à venir », est à venir Colorado, à Denver. Colorado. et ce qui me... Comment je peux dire ça? Ce qui m'épate un peu ou ce qui m'étonne dans le top 10, le Grand Prix, bon, je sais que c'est des chars, c'est des moteurs, les gens aiment ça, puis ça a un impact économique quand même assez grand, mais on s'entend, c'est une fin de semaine dans toute l'année au complet. Est-ce que c'est surprenant, Jean-François, de voir que ça sort comme ça quand même assez fort? Ouais, d'abord, il faut expliquer comment on calcule ça. C'est tout le temps sur une semaine. On calcule tout le temps le poids sur une semaine parce que d'abord, il y a juste 1% de l'actualité qui dépasse une semaine. Okay. Donc, on calcule tout le temps le poids d'une nouvelle sur 7 jours. Et c'est pour ça que sur une base de 7 jours, c'est intense. Si on prenait ça sur l'ensemble de l'année, on aurait peut-être probablement des résultats différents. Et si on regroupait des nouvelles ensemble comme l'Ukraine, probablement que l'Ukraine en soi, ce n'est pas une nouvelle, mais c'est un sujet dans l'actualité, c'est un regroupement de nouvelles, ouais. probablement aussi qu'on aurait des résultats différents. Mais sur une base de 7 jours, le Grand Prix, ça a été très fort. Le Super Bowl a été pas loin aussi de ça, un sujet également très, très, très populaire. À chaque année, le Super Bowl, c'est très populaire. Mais quand on regarde ça, on se dit « ouais ». Il y a beaucoup de sports, il y a beaucoup de sujets qui, même cet été, qui, à mon avis, ont été oubliés. Donc, je me suis amusé de faire un petit palmarès de nouvelles qui aurait peut-être mérité un peu plus de place. OK. Il me semble qu'on aurait donc dû en parler un petit peu plus. Les enfants pauvres de l'actualité, les réfugiés, ceux qui... Ah, bien, il y en a un là-dedans que j'allais dire. Comment ça se fait que c'est pas là? Mais on a le même, Jean-François, je vous laisse aller. OK. La cinquième position, on va y aller à l'envers encore, c'est l'inflation, évidemment. Le Québec qui pourrait se retrouver en récession, on reconnaît François Legault. Ouais. Ça se passait à la mi-juin. Enfin, l'essence, c'est un sujet qui, à mon avis, on devrait en parler plus parce que c'en est gênant. Le prix de l'essence qui passe à 2,24 dans le Grand Montréal. Ça, c'est le record le Québec, à tout jamais. C'est ça, c'est un record absolu. Et rappelons-nous qu'en pleine pandémie, à un moment donné, on s'est tombé en bas d'une pièce. Oui. Ben oui. Ah, je me souviens, c'était du 75 cents à un moment donné, quand il n'y avait personne dans le chemin. Il donnait quasiment, on n'en profitait pas. Il donnait quasiment un bonus quand il donnait un petit cadeau quand t'allais faire le Il donnait du purel. Et troisième nouvelle dont on n'a pas beaucoup parlé, COVID-19, la crise sanitaire qui a coûté 15 milliards de dollars au gouvernement du Québec. 15 milliards. Incroyable. Et il me semble que... on aurait dû... En tout cas, j'ai plus de questions ou s'y intéresser un peu plus, là. Mais quand on arrive avec des chiffres comme ça, on perd un peu la mesure. Ça veut plus rien dire, 15 milliards. À 15 milliards, c'est combien de centaines de millions, Vierge?
C'est 400 trocs pleins, donc je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est ça. Et eux autres, ils misent là-dessus. En donnant des gros chiffres comme ça, ça frappe tellement l'imaginaire, puis on vient comme avec un blackout dans le cerveau qu'on se dit, ça vaut même pas la peine de poser la question. Ouais. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2009, la Caisse de dépôt qui avait perdu 40 milliards de dollars. Ben oui. Henri-Paul Rousseau, puis c'est un gros chiffre, ça voulait tellement plus rien dire. Henri-Paul Rousseau qui est passé la journée à expliquer à tout le monde, je pense que c'était le 9 mars 2009, comment il avait perdu, comme par hasard, 40 milliards de dollars. Et là, ça, c'est, toute la journée, il était évidemment la personne la plus détestée au Québec, celle dont on parlait le plus dans les nouvelles. Et à 4h30 de l'après-midi, il a perdu les deux tiers de sa place dans l'actualité. Pourquoi? Parce que... Un coach canadien? Oui, il a sacré dehors Guy Carbonneau en après-midi. Et là, s'il n'y avait plus d'intérêt, c'était plus important, ça comptait plus. Fait qu'on l'a mis dehors, puis comme par hasard, Henri-Paul Rousseau est disparu de l'actualité. Et le lendemain, dans la presse, il y avait une caricature, on voyait Henri-Paul Rousseau qui se cachait derrière Carbonneau. Ça illustrait tellement bien la méga éclipse médiatique qui est venue obscurcir le ciel de l'actualité, qui est venue nous faire oublier la nouvelle la plus importante. Ben lui, c'est sûr qu'il a envoyé, une bouteille de champagne à Bob Guéné. Merci, mon Bob. Je t'en dois une solide. Là. Ah, mais je vais vous dire un secret, vous savez... Nous autres, chez nous, quand il y a des nouvelles comme ça du Canadien, on les appelle nos clients. On leur dit « It's a good day for a bad news ». Ben oui. Et si vous voulez annoncer une mauvaise nouvelle, vous voulez couper des emplois. Let's go. C'est pas une légende urbaine, on le fait. Ben c'est pas tout le monde qui en profite. Les Blue Jays de Toronto, cette année, qui congédient le gérant à la première journée des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey, ça a fait « clonk ». Ça a passé carrément inaperçu. À 4 heures, ils congédient le coach des Blue Jays. Ça va être annoncé. Et il y a des journées aussi pour annoncer des mauvaises nouvelles. Quand une organisation un vendredi, je pense. Politique, à partir du jeudi, en après-midi, jeudi, vendredi, samedi, là, c'est les trois meilleures journées pour annoncer de mauvaises nouvelles parce que ça va passer dans le banc. C'est fou, hein? Et à l'inverse, les centrales syndicales qui veulent spinner et avoir de la place dans les médias, ils commencent à sortir une nouvelle le dimanche. Il n'y a pas grand-chose dans l'actualité. Fait que ça spinne. Lundi matin, ça fait encore l'actualité. C'est de même, ça marche. C'est pas de mentir, c'est de savoir jouer avec le trafic. C'est de trouver la technique pour scorer le plus fort possible. Puis la numéro un, ça serait quoi? La deuxième, c'est vrai. Oui, la deuxième. Bien, là, ça concerne Québec encore plus. C'est que le maire de Québec, Bruno Marchand, qui s'attend à des changements au poste de ministre responsable de la capitale nationale. Mais oui, une véritable claque au visage de Mme Guilbeault, ça. Oui, puis ça, on aurait mérité. Puis c'est pas juste propre à la région de Québec. Ça a un impact pour l'ensemble du Québec. Ça fait partie du Conseil des ministres. On aurait dû en parler plus. On aurait dû s'y intéresser davantage. Mais ça se passait. C'était la fête du Canada autour de ça. Après la Saint-Jean-Baptiste, c'est tombé dans le beurre entre deux chaises. On l'a oublié. On n'en parle déjà plus aujourd'hui comme si c'était jamais arrivé. Et la nouvelle numéro un, qui, à mon avis, aurait mérité beaucoup plus de place, c'est le gouvernement fédéral qui a décidé d'ouvrir la porte à l'exploitation du gaz naturel dans l'est du pays. Mm-hmm. Et encore là, c'est arrivé après une longue fin de semaine, au début du mois de juillet. Et en été, les mauvaises nouvelles ou les nouvelles plus controversées collent beaucoup moins longtemps. La preuve, c'est qu'habituellement, en temps normal, là, en pleine COVID, on n'est pas en temps normal, mais en temps normal, 75% des annonces de coupure d'emploi dans l'actualité, ça se fait en été. Parce que même s'il y a moins de nouvelles, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles sont moins collantes en été. Ouais. C'est comme si, non, c'est poche. On parle de d'autres choses. Je ne sais pas si c'est la crème solaire ou quoi, mais ça nous intéresse. Non, l'été, c'est pour ça que les politiciens intelligents se cachent l'été, parce qu'ils passent sous l'écran radar, ils arrivent à l'automne, on fait un sondage, ils se sont maintenus, puis et en deux secondes, parce qu'on a presque plus de temps, Jean-François Dumont, on s'entend que cet automne, ce qui va retenir l'attention, on s'entend-tu que la fameuse campagne électorale provinciale, ça va faire monter l'aiguille? Rapidement. J'en suis convaincu. La seule chose, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup d'enjeux parce qu'à mon avis, déjà, les dés sont déjà... Oui, c'est ça. On voit le spectacle venir un petit peu. Puis ça va être ciblé dans des régions. C'est là que ça va être le fun de suivre. Exactement. Okay. Mais globalement, je pense qu'on sait pas mal à quoi s'attendre, mais ça va être le sujet numéro un dans l'actualité cet automne, sans l'ombre d'un doute. Puis en 10 secondes, est-ce qu'au niveau de l'actualité avec le tramway, l'histoire de Québec mérite mieux là, parce que ça brasse en cours au moment où l'on se parle? Est-ce que ça fait réagir un petit peu, ça? Ça fait pas... À travers le Québec, ça ne fait pas réagir. Non, ça c'est ça. C'est plus très, local. Très, très local. Ouais. Encore là, en été, ça, c'est le genre de sujet, encore une fois, qui n'est pas très, très collant. À mon avis, ça risque peut-être de revenir davantage à l'automne, mais pour l'instant, là, c'est comme si... Ça passe frit comme dans du beurre. Exactement. Merci, Jean-François. Toujours apprécié. Ça a été belle fun. Salut. Bye. On se reprend bientôt. Merci Salut, beaucoup. On s'envoie. Mm-hmm. Bye. Je l'aime, lui. On s'arrête, on vient. Ouellet, en direct. Radio X.